La police et DCPJ continuent à travailler. Même leur petit reproche, même leur petit légèreté dans l'opération, dans l'intervention qu'a fait yo, eh bien, pas caché, dis-nous, leur bon travail qu'a fait, faut apprécier le travail positif. Yo. Eh bien, là, bon, le gros machin d'âme qui en bas code. Est-ce qu'elle fait partie de 11 familles? Est-ce que non, la liste 11 familles? Eh bien, restez là, m'bralbo tout détail yo dans un petit moment. Nations Unies prend une grosse décision qui concernait Haïti. Eh bien, dans la logique pour renforcer la police nationale d'Haïti, ils ont décidé de voyer plusieurs troupes en Haïti. Mais s'entendez à la, gouvernement Ariel Henry a refusé. Bralbo tout détail, toute information pour qu'on ait qui ça fait exactement Ariel Henry a gouvernement là refusé. Bonjour, bonsoir tout le monde, bienvenue sur TAC 609, tout Haïtien connecté ou dans l'émission Mon éditorial avec Yannick. C'est un grand plaisir aujourd'hui là pour nous croiser. Hier c'était 18 mai et bien aujourd'hui nous retourner pour nous porter information pour vous. Dans un moment qui est extrêmement difficile pour PNH, parce que nous avons monsieur sans répit, il a attaqué bandi sans répit, il a fait ça qu'on est pour démanteler bandi pour rétablir sécurité avec la paix en dedans pays. Est-ce qu'il a privé? Est-ce que l'a abouti? Est-ce que démarche a abouti? C'est question ça tout le monde a posé tête jour. Eh bien, on pourra joindre toute information ça qui pourra aller nous comprendre ou ensemble de décisions qui a prend par bon côté autorité l'état. Est-ce que décision ça yo dans intérêt population? Est-ce que décision ça yo, est-ce que gouvernement Ariel Henry a bien fait rejeter et décision qui prend par bon côté Nations Unies pour venir supporter PNH? Eh bien, on pourra le compte tout bagaille ça. Bon, tout profiter remercier ou même qui fait choix de TAC 509 pour informer ou même qui était connecté à la chaîne là et ou même qui partage vidéo ou même qui l'a avec nous depuis bien longtemps qui a supporté le travail positif qu'a fait yo. Un grand merci, nous apprécions ça de tout cœur, nous dans tout nom nous remets ça. Donc là nous pral parler pays, nous pral faire débat, même pas oublier projet fête des mères là 29 mai qui vini là, objectif là, c'est fêter avec 100 mamans, 100 femmes, rivé pour te kichoy pour yo. Avec 25 $ US ou bien 2500 gold, ou ka supporte projet. M'pa bouke rappeler nous ça, c'est ensemble pour nous faire le meilleur pile, chaye palou. Donc, ou même qui voulait participer, ou même qui voulait contribuer, parce que nous connaissons comment autorité l'État yo délaissé compatriotes nous yo, comment yo abandonné moun ki dans section communale yo, comment yo pas arrivé joindre yo, pas porter kichoy pour yo. Donc, nous même, nous là, n'a pensé avec yo, n'a pensé pour yo. Donc, c'est ensemble pour nous arriver, permettre l'initiative ça. Li réussi. Donc là, nous prenons pas les pays, nous prenons faire débat, préparons parce que nous avons des informations pour vous dans un bon petit mamite. C'est l'heure du débat. Yannick à l'appareil pour analyser et commenter. Tous les jours, à partir de 2h, suivez sur votre channel Mon éditorial avec Yannick. Les grands dossiers seront débattus à l'heure de cette émission. Alors, soyez les bienvenus. C'est non machin zamza que la police de concert avec DCPJ rive maré takou crabe. Yo maré takou crabe parce que citoyens ou bien individu ça, am di individu plutôt, qui ça le fait, qui ça l'amuse le fait, li contrôle, ou dans le département de NIP, et bien li contrôle Port-au-Prince là sous 10 douettes mille. Li gen embranchement, li gen relation, li gen contact avec toute bande organisée, tout groupe criminel dans la République. Parce que ces amnèg la vann, ces balles la vann, ces conteneurs munitions la faire entrer en dedans pays, donc on pas besoin d'où qui quantité l'argent li fait. Et déjà en 2017, DCPJ t'est interpellé dans ville Port-de-Paix. En 2017. Eh bien, malgré l'interpellation qui fait sous Clovis Cadet, relation
relation avec politiciens. Et n'a pas l'eau de département des NIP. Depuis qu'on parle de département des NIP, on connaît c'est l'ancien sénateur Nenel Kassir Soti. C'est là c'est département des NIP qui était représenté. Donc est-ce que ancien sénateur Nenel Kassir pas connaît Clovis Kadem? M'ba di yo gen relation, m'ba di yo zami, m'ba di yo faire trafic zam ensemble, m'ba di yo vann bal ensemble. Mais est-ce que le pa konnen? On nèg di yo si influent dans département. On nèg y a brasser l'argent nan vann zam, nan vann bal nan département pou pa konnen? Bon ki le Nenel Kassir ki te parlement? Ki le Nenel Kassir pa sénateur NIP encore? Pa sénateur NIP pa vle di Nenel Kassir pa toujours influent dans département des NIP? C'est la Kaelize Bazi Sébastien. Donc, est-ce que Nenel Kassir pas connaît individu ça qui est Clovis Kadem? Maintenant, qu'on y a, ok, pas de problème, yo arrêté Clovis Kadem. Clovis Kadem, yo pral voyel dans le DCPJ pour la répondre question. Qu'on y a posé tête ou question pour qu'on ait 2017, le DCPJ t'a interpellé là, c'est qui groupe moun sa yo qui te fait libérer Clovis Kadem? Parce que son moun DCPJ connaît très bien, son moun la police connaît très bien, son moun la justice connaît très bien par rapport avec action la fin de dans pays. Donc on est juste dans le département de NIP pour une connexion avec 400 Marozo à Founizam. On est juste dans le département de NIP ou juste dans NIP pour une relation avec l'homme sans jour, pour une relation avec Yon pour Founizam, pour Avanzam. Donc ça là on va le comprendre, oui, c'est là on va le comprendre que politique qu'a fait en Haïti, façon nèg yo fait politique en Haïti, yo assuré que yo rentre politique là dans tout petit bagaille. Comme si là le DCPJ te fait interpellation, là il te prend Clovis Kadem. Ou pense c'est monsieur policier Octanique décidé agent DCPJ Octanique décidé libérer ou bien c'est pas un coup de fil qui t'est passé? Ou bien c'est pas l'ordre yo rejoindre pour yo libérer nèg là? Donc, moi-même, je dis nous ça clair. Nous pas qu'à faire pays sans pas une justice dans le pays en tout bon. Nous pas qu'à faire pays d'autant que nous pas mettons barrage, nous pas mettons bon, comme si nous pas bloquer influence politique négio sur la justice. Yo arrête en 2017, yo arrête ton machin zam. Yo arrête ton nèg gavon bal de la République et pour pral tande nèg za 5 ans après. DCPJ reprend l'encore, yon remarre le takou krab nan même commerçant, commerçant, trafic zam. Ça veut dire que l'on pas jamais changé métier, l'on pas jamais quitté métier. Donc c'est la police qui a fait bac. C'est la justice qui a fait bac. Alors que, je dis, même sénateur sa yo, même élu sa yo, même politicien sa yo, yon vle faut comprendre que c'est président qui a pêché pays machin. C'est président qui peut faire travail li. En 2017, le Jovenel Moïse te monté président. Le yote arrêté nèg sa ka fè. Le yote arrêté Clovis Kadem sa. Ou pral dim se Jovenel Moïse qui te get en joué influence, etc. Ou pral dim sa? Donc là pour comprendre que mauvaise foi qui gen pas bon koto paquet nèg qui nan politique là. Qui te passe tout temps yo à bat chalbare de Jovenel Moïse. Qui te passe tout temps yo campé non opposition politique empêchant pays marcher et puis yo même encore yo a protégé un paquet nèg ka vann zam yo même encore y a fait zam rentrer dans la République et puis ou pral apprendre 5 ans après ou pral apprendre 6 ans après pour qui est nèg za yo t'a travail pour qui est nèg za yo t'a vann zam pour qui est nèg za yo t'a fait trafic munitions dedans pays pour même honorable sénateur même honorable député c'est pour même yo même non donc kounye a le individu ça, le monsieur ça arrivé dans DCPJ. Le yon pral cuisine, le yon pral pose le question. Même l'autre attend, delta dou, ok, pas de problème. Li gen bonne relation avec, par exemple, sénateur Nenel Kassir. Qui ça pral fait? Gon bagay, gon merde qui pral regle. Pas j'aime gon merde qui pral regle. Ça même j'ote tende, le yon te touye homme d'affaires, le yon te joine et couteau, sénateur Nenel Kassir dans machine neglan. Jusqu'à présent, machine dans DCPJ. Gon, j'aime gon bagay qui fait dans dossier ça. J'aime gros bagay qui fait dans dossier tentative d'assassinat ou bien kidnapping rentre ça. J'aime gros bagay qui fait là-dedans. J'aime gros bagay qui fait dans dossier assassinat ça. Ah mon cher. C'est l'on pral comprendre na vivre dans un pays côté que depuis nèg lan
ni besoin contrôler la République. Depuis nègre là, besoin contrôler sécurité en dedans pays, il besoin mettre groupe gang ni camper pour terroriser population, pour faire kidnapping, pour tuer moun, pour rançonner moun, li rentre dans opposition. Li rentre dans opposition pour qui ça? Parce que son couverture lié pour lui pour déstabiliser un pays, c'est couverture lié pour lui pour le vendre zam et dans le nèg la gen immunité, c'est plus grave. Ah oui. Bon paquet nèg ou tande kal cacher dans parlement. Bon paquet nèg ou tande kap chercher poste et côté que y a bénéficier immunité etc. C'est pour qui ça? Et pas pour yon ka vendre zam? C'est pas pour yon ka passer avec drogue dans machine yo? Ah bien, pour qui sont obligés de tande Abdou, gen ancien sénateur, gen sénateur qui nan drogue, gen sénateur qui vend zam, gen sénateur qui nan relation avec bandi. Pour qui sont obligés de tande bay sa yo? Parce que c'est vérité, c'est purement et simplement de la vérité. Donc, dites tout bien. Jodi an la yo pran Clovis Kadè. Clovis Kadè, te bon lis 11 fami ki te pran la rue. Clovis Kadè pa la dan. Donc, ça veut dire. Question 11 fami ka vann zam de la République. Là, ça, son mit yo mette nan tèt tout pour focus sur 11 grain moun. Pendant pral focus sur 11 grain moun nan, et puis, sénateur yo ka fè zam rentre nan peyi a. Non, yo pa la nan, yo pa fè parti 11 fami an, non. Mais non, yo pral focus sur 11 fami. Tout li do, c'est 11 fami ka vann zam. Ah oui, 11 mulat. Et puis, nèg la travaille dans le palais national, li gen responsabilité commande des armes pour unité spécialisée dans le palais national. Et puis, kou zam yo rentre, yo voye l nan base gang yo. Yo voye l bay ti la pli, yo voye l bay zo, yo von yo. C'est dans la logique, ça nous rentre. Nèg la, li sénateur, li député, li gen groupe gang, li la fè zam rentre parce que non seulement li gen immunité, li gen inviolabilité. Zam yo ap nan machine ni PNH ap met checkpoint. Yo pa fouye machine ni. Yo pa fouye machine ni parce que il est officiel. Son sénateur, son député, son directeur général, machine yo inviolable. Ou pa ka fouye. Mais machine za ou pa ka fouye, c'est là dans li a passé moun yo kidnappé, c'est là dans li a passé, y a fait trafic zam yo, c'est là dans li a pot caisse cartouche aller, c'est là dans li a pot cocaïne aller. Ah oui. Puisque c'est sénateur, c'est député, c'est officiel de la République, PNH pas maille. C'est pas maille, pas maille tout, non, quelquefois. Parce que yo connaît, nègre là, c'est officiel ou pas maille vraiment. Donc, tout nègre ça yo, tout individu mal intentionné ça yo, tout énergumène, tout bandit avec ça yo, yo obligé kou élection pral fèt là pour yo pote bourré dans parlement, pour yo pote bourré dans chambre député, dans sénat etc., pour al poser candidature pour voter. Ou même qui pa konnen ki manigèt ça réglé, ou même qui pa konnen ki objectif nèg lan, li vin avec un mille goud, li vin avec comme d'énergie, li vin avec espoir, li vin vann un rêve pendant que li te fait 3 ans avec Jovenel Moïse, et puis il fait 1 an et demi dans l'opposition politique, et puis il vend nous Jovenel Moïse tant qu'ou pire des mois Haïti connaît, puis mauvais président Haïti passé, et pour pral quoi dans lui. Bon, nous comment nèg sa ou travail? Ouais, sénateur, député, nan gang qui gen groupe gang kap travail pour yo, nèg qui nan opposition politique là ou qui gen groupe gang kap travail pour yo, kap rançonne, kap fait kidnapping pour yo, comment yo travail mbral dou? Yo assure yo que yo gen opinion publique nan poche yo. L'opre André Michel Lenel Castillo, pendant 4 ans, Jovenel Moïse, ça son réalité, tout le monde. Pendant 4 ans, yo venon Jovenel Moïse comme pire président, comme nèg qui plus kapkraze pays, nèg qui plus volé, nèg qui plus pas bon. C'est comme ça que te présente Jovenel Moïse. Et à l'époque, map dou réalité que te gagne. À l'époque, si c'est pour grand goût, te gagne grand goût. À l'époque, si c'est pour chômage, t'es gagné chômage. À l'époque, si c'est pour insécurité, t'es gagné insécurité, t'es gagné kidnapping. Mais, quelque part, on garde, est-ce que nèg sa yo t'es gagné intention, font un dialogue politique franc vraiment pour yoter sorti pays à côté lié. C'est même opposition ça qui t'es toujours refusé tout dialogue. C'est même opposition ça qui t'es toujours refusé toute concertation. C'est même André Michel Lenel Kassie SDP ça qui t'es refusé pour yon bay population en répit, qui t'es refusé que t'es nous camper des barricades, c'était avenou. C'est même yon même jodi an qui n'a figou là, c'est même yon même qui n'a pouvoir yon là, c'est même yon même qui a pris décision, c'est même yon même qui a mis directeur général, c'est même yon même qui a contrôle douane, qui a contrôle ceci, qui a contrôle cela.
Donc ou pral di m ke ou pral di m jodi an la nèg sa yo yo travay pou peyi, nèg sa yo batay pou peyi, nèg sa yo vle stabilite nan peyi, pral don bagay. Et comme si jodi an opposition vle fè tèt li pase comme opposition ki pi sain dans la République. Comme opposition qui pas jamais nan parler nan tete lan bandi, qui pas jamais rencontrer avec gang, qui pas jamais rencontrer avec délinquants ça yo k'ap bay peyi an problème. Et l'homme garde récemment m'a garde vite l'homme qui sont d'Abdou, li rencontre avec André Michel, li rencontre avec Nenel Kassi. Li kon rencontre avec Zoki ki et cetera, yo vin nan salon yo chita. Bon ki négociation, ki rencontre sérieux pral faire avec un nèg la police a chercher. Qui rencontre sérieux pral faire avec un nèg la justice a chercher. Qui rencontre qui sorgue pour dire avec un nèg qui fait kidnapping. Qui campe en face la police, qui terrorise la population, qui rencontre en tant qu'honorable sénateur, en tant que moun qui fait politique, qui sont figure publique, qui a bail problème avec le gouvernement qui est là, et puis je dis, on a rencontré gang, on a rencontré bandit, et puis nous pral dit que tout va bien, tout est rose, pas grand cause. Pas grand cause. C'est pas que parole bandit, on doit prendre pour parole l'évangile, non? Oui, amen, non? Mais nèg ici politicien ici nèg qui remet pouvoir ici pas gagne rien ou pas fait pour déstabiliser pays pour prendre place ça au toi que je m'y mette c'est consalié logique nèg ici c'est consalié et moi garanti même le nèg ça qui dans opposition yo te connaît mercenaire t'a rentré venir assassiner Jovenel Moïse pas jamais pas gagne une qui t'a pour téléphone pour dou yo pral averti président ça c'est pour montrer que niveau haine niveau criminalité qui gagne dans nèg sa yo c'est bagay extrême du jamais vu. Y a touyé, y a raché, y a coupé pour prendre poste politique en dedans pays. Donc, kounye la ou détour était focus ou détourner attention sous sénateur, sous député, sous directeur général, sous politicien en opposition, sous nèg qui dans pouvoir qui fait trafic d'âme, qui peut utiliser machine officielle pour faire trafic d'âme, n'a pas kembe focus tout sous on son isolement. Et bien, celle-là c'est là où vend nous, on va acheter sans papier. C'est là où vend nous. Parce que je dis là, tout n'exagère dans ce trafic d'âme. Tout n'exagère qui gang. Qui groupe gang qui fait kidnapping pour eux, sous pourcentage. Son réalité, c'est réalité pays nous. Son réalité, c'est politicien nous qui mettent là-dedans. Et si nous voulons Haïti changer, c'est commencer par dénoncer n'exagère. C'est commencer à assumer responsabilité nous dans dénoncer n'exagère. Jodi an la Clovis Kadè nan men DCPJ, faut que DCPJ mande qui relation rien avec Nenel Kassi. Faut que DCPJ mande nan qui machine li konn fè trafic zam nan pour nan département ni pour apporter zam nan base 400 Marozo. C'est seule machine officielle, c'est seule machine officielle. Checkpoint pas fouillé. La police est sous, tu vas fouiller. Après ça, pas de machine, tu vas fouiller, non? Donc, je dis là, qui machine Clovis qu'on utilise pour le poter Zamale? Qui machine qu'on utilise? Cher pays, ça, non. Non, autorité dans le pays, ça va être dégoût. Et puis, nèg sa yo, y a dou, c'est régime PHTK qui crase pays depuis 10 ans. C'est régime PHTK qui crase pays pendant 10 ans, dans fourni zam. Mais nous même kap bay nèg kap bay machine zam machine officielle nous pour y livrer zam nous pas craser pays même nous pas craser pays nous même kap bay agent de CPJ pression pour faire libération nèg kap fait trafic zam pour nous pas craser pays même non 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 nous fait pays bien mon cher oh nous fait pays pi grand bien gain donc la vérité en faut connait vérité en faut connait. Pour le nèg sa yo a vin chante quant à moi, a vin fè figi yo passe pour pi bon moun ki gen, pour nka di halte là, c'est sous bluff nouye, c'est sous maniget nouye. Eh bien, dossier Clovis Kadè a gen là nan bon ti mamit. Ou gen nan bon ti mamit. Et nan prochain jour ka vini là, yo mwen maten mwen aske, da ancien sénateur Nenel Kassi ba gen immunité. Bon, peut-être si Ariel Henry, si André Michel avec Ariel Henry décide de pas passer le CPJ pour lui répondre quelques questions, ça c'est autre chose. Ça c'est autre chose puisque c'est eux-mêmes qui contrôlent la justice dans le pays. Non. Mais fuck nèg yo dit qui lien yo gagne, fuck nèg yo dit qui relation yo gagne. Parce que nèg ici les aux amis à gang, les yo gagne gang qui travaille pour yo, kou la police marie yo fait qu'on est oh
Bon loi dit moun pa ka zanmi a tout moun. Ah oui, ça a toujours mettre devant. En persécution politique ou bien est-ce que bon loi dit moun pa ka zanmi a tout moun. Ben n'ap konnen. N'ap konnen parce que peuple haïtien doit commencer tracer propre loi, propre règle. Ou c'est sénateur de la République pour forme ko. Ou zanmi a gang en ben, ou konsoye tout. Ou konsoye tout. On nous prend supposément regard n'ap retourner après parce que faut konnen. Pour qui raison gouvernement Ariel Henry a décidé refuser coûte mais ça coûte mais ça y ont été préparé pour PNH en souci pour venir combattre insécurité en dedans pays là n'a tourné après pour ça. Nous avons deux produits ça yo qui c'est des outils et des bandes yo chaque demi dans trois phases trois étapes trois dosages yo chaque c'est pour un mois utilisation pour faire un traitement de 90 jours chaque. Dans des outils là c'est une pommade qui est faite à partir de 8 produits naturels qui peuvent décalcifier corps cavernaux tissus spongieux pénis là pour augmenter l'élasticité tissuelle des membres. Il a pour optimiser la santé générale. Il est composé à partir de 13 plantes médicinales et but ultime, c'est faire l'organisme produit en pile hormone testostérone qui prend la barre libido. Il va faire ça en plus fluide pour permettre une meilleure circulation dans l'organisme pour qu'elle joigne une érection plus ferme. Pour plus d'informations, relevez dans 514-846-9776. www.zesofmoringa.com. Bien, nous tournons. Là, on va nous information sur ce qui est pour avec les troupes que Nations Unies a décidé pour voyer en Haïti et que le gouvernement haïtien, le gouvernement Ariel Henry a refusé. Eh bien, selon les dires, selon sa journaliste senior, GPPC Gary Pierre-Paul Chol, Radio Scoop FM rapporté, eh bien, gouvernement et Nations Unies t'a décidé pour voyer aide, li, voyer support, li, by police nationale, voyer des troupes en Haïti pour venir prêter mes fortes avec PNH, pour venir aider monsieur policier, yo, combattre sécurité, combattre kidnapping, démanteler les gangs, faire saisir armes, etc., faire des armements de pays. Mais, li rapporte que gouvernement haïtien, premier ministre Ariel Henry, refusé. Et refuse ça, Ariel Henry, mettez par rapport avec décision qui prend pour yot avine supporter PNH, li basé sur le fait que troupe ça, li tap composé majoritairement de Colombiens. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire dans troupe ça, yot tap ralvo en Haïti, c'est Colombien majoritairement qui tap là. Li tap gen plus Colombien que toute l'autre nation. Donc, Ariel Henry refusé. Il y a deux bagay nous pral analyser là, parce que moi-même, je remets faire analyse sous point. Je remets analyser données. C'est à travers données pour comprendre quelques décisions on prend, décisions autorité on prend. Il y a deux aspects dans le refus ça. Ou doit comprendre, ou doit connaître. Premier bagay, ça c'est position PAM, ça c'est point de vue PAM. Ou ka toujours pas d'accord. Premier bagaille là, nous comprenons refus gouvernement Ariel Henry. Si réellement Ariel Henry a gouvernement là estimé que c'est Colombien qui a assassiné président Jovenel Moïse, yo pas ka accepter que même Colombien ça rentre en dedans pays là vin aider police nationale d'Haïti vin démanteler gang vin faire des armements vin pacifier pays là vin mettre la paix et sécurité en Haïti là m ka d'accord avec lui parce que effectivement c'est Colombien qui rentre en Haïti touye président effectivement c'est Colombie mercenaires yo sorti yo rentré yo vinn touye président pas de problème a toujours des hostilités par rapport avec haïtien parce que comment tout pral faire venir do pacifier pays ou pral faire venir do combattre insécurité et puis pour gen hostilité entre colombien ça yo venir do là avec population haïtienne parce que me connais haïtien très bien haïtien pas d'abord colombien en danger même parce que c'est même colombien ça c'est même nation
De pou di Colombien ou est mercenaire qui touye Jovenel Moïse. De pou di Colombien ou est groupe Mounzao qui rentre dans le pays, qui viole souveraineté pays, qui vient faire crime ça en Haïti. Donc, là, nous avons essayé de comprendre la position Ariel Henry avec le gouvernement là, par rapport avec le refus ça. Mais bon, l'autre bagaille, bon, l'autre aspect qui est extrêmement important. Et c'est là tout pralwe que refus à Ariel Henry mette pour Colombien ou pour troupe Colombien yon pas rentrer en Haïti, il pas rien pour loué avec assassinat président Jovenel Moïse. Pour qui ça? Parce que si réellement Ariel Henry a gouvernement là, te gagne un souci, te gagne bonne volonté, te au moins fait preuve de dévouement pour la justice te faire lumière sur l'assassinat président Jovenel Moïse, m'pa kwè c'est même Ariel Henry a gouvernement là qui t'a constitué un véritable obstacle, qui t'a point central barrage pour dossier pas avancer, pour enquête là pas abouti. Est-ce qu'on comprend? Ou à côté mien, on dirait que premier ministre Ariel Henry li plus peur. Li peur pour le pas fini même avec Jovenel Moïse parce que bon dou nous tout là, nous connaissons, nous tendons que Ariel Henry a cité dans l'assassinat président Jovenel Moïse. Donc, il n'y a pas connaissé si même monde qui était payé pour tout Jovenel Moïse, si on pas le payer tout pour assassiner le pendant que Colombien en Haïti. Parce que si il y a troupe colombienne en Haïti, c'est sûr que troupe ça qui t'a venu pour aider PNH, c'est sûr que troupe ça tout, ça t'est arrivé yo participer dans sécuriser convoi Ariel Henry a sorti. Donc nèg la pas comme ça dans tête moun yo, li pas comme ça dans tête nèg za yo qui paye, qui te bay l'argent comment dit assassinat président Jovenel Moïse. Donc ou senti quelque part refus Ariel Henry, refus gouvernement li plus basé sur ça, parce que c'est même gouvernement Ariel Henry sept mecs se passé en là qui pas de voyer dossier extradition pour yon te voye sa yanda la Haïti. C'est même gouvernement Ariel Henry, c'est même Beto dans ce ministre justice qui te dou John Joel Joseph a pibo. La pibo c'est la États-Unis que c'est l'entrée Haïti. C'est même gouvernement Ariel Henry ça. C'est même lui même, c'est même Ariel Henry ça ou dans des à plusieurs reprises qui rencontrait avec Badjo Félix. C'est même Ariel Henry ça qui a protégé moun. Le juge d'instruction Gary Aurélien était sous dossier, là il était préparé mandat pour un groupe moun pour reler moun za pour aller chercher pour te bali. Ça même Ariel Henry a dit hey, tu papa camper là. Ou ça pas ou tout. Donc jodi a la m pa wè ki intérêt que Ariel Henry a gouvernement là te ka gagner pour dou. C'est parce que Colombien était touyé président Jovenel Moïse qui fait que yo même yo pa accepté. Il ne peut pas accepter aide des Colombiens, troupes colombiennes venant en Haïti, venant des PNH. Là où plus souhait Ariel Henry qui mitigé, ou Ariel Henry comme si intention le partager par rapport, il pas comme ça des même Nexao qui était payé Colombien, tout le président Jovenel Moïse, il pas piéger tête, etc., etc. Donc c'est là nous y est. Mais question Colombien venant en Haïti, avant Colombien ça rentre en Haïti, tout le Jovenel Moïse. C'est pas la première fois nous avons des troupes colombiennes qui rentrent en Haïti. C'est pas la première fois que nous avons des mercenaires colombiens qui rentrent en Haïti. Que légal, que illégal, Mbaldo. Nous t'attendons, t'es gagné et là, ça a été Léon Charles qui était dans tête PNH. Qui était gagné Rennes PNH, qui était dans tête commandement. À l'époque où t'attendons, t'es gagné différents missions colombiennes qui t'a rentré qui ça t'a vinn faire, yo t'a vinn aider PNH, yo t'a vinn entraîner policiers, yo t'a vinn bay policiers formation. Vous, ou pas tande rien, ou pas tande côte colombien ça yo passé, ou pas tande côte mission fait si yo monte si yo descend, dossier classé. En deuxième fois tande colombien rentrer en Haïti. Qui ça t'a vinn faire à l'époque premier ministre était séant. Ou tande yo vini après on donne c'est en douce c'est nèg qui t'est venu et pour assassiner. Après on dit on donne au douce c'est nèg qui t'est venu pour casser qui ça pour casser et banque centrale BRH. T'es gagné colombien là-dedans, t'es gagné américain là-dedans, c'est si pas trop même. T'es gagné américain, il y a plusieurs nationalités. C'était plusieurs individus, mais t'es gagné colombien là-dedans. Après, on entend des groupes colombiens qui viennent, qui s'alvinent faire, ils viennent assassiner le président Jovenel Moïse.
Mais tout pendant Colombien ça va prendre en Haïti. Faut nous poser tête nous question, c'est qui est-ce qui te donne l'initiative Colombien ça yo? Parce que ou bien Dimitri Erard aujourd'hui qui impliqué dans l'assassinat président Jovenel Moïse, Dimitri Erard c'est va et vient toujours en Colombie. Dimitri Erard, si gen moun ki ka fè mercenaire entrer en Haïti, qui est ce kaye? C'est moun ki konn kote mercenaire yo caché, c'est moun ki gen relation avec mercenaire yo, c'est moun ki konn Colombie bien. Donc jodi an la, tout le temps d'entendre Colombien t'a rentré en Haïti, troupe gen Colombien, mercenaire c'est Colombien, etc. On dirait que c'est expertise nèg yo te vin fa, yo te vin bay. On dirait que nèg yo c'est terrain yo te vin contrôler. Puisque plan pour tout les Jovenel Moïse, ça arrive le pot qu'on finit. Tout donné, au pot qu'on cumule, au pot qu'on rassemble, tout donné. Et puis, boum, les poubelles à la fête, autant des Colombiens vini, Dimitri Erard là-dedans, autant des John Joel Joseph là-dedans, autant des Samir Andal là-dedans, autant des Gepastel là-dedans, autant des Linné Balthazar PHTK là-dedans, un paquet neg. Un paquet moun. Mais vérité, on joue nous espérer que papa ici a bien. Vérité on joue si c'est Martin Moïse qui pour bailler population haïtienne non fuck ni ville parce que là pas de question casser faire couvrir ça encore parce que moun kap casser faire couvrir ça yo c'est eux même qui dans l'état c'est pas moun dehors qui fait c'est pas moun dehors barrage blocage qui gen là c'est pas moun qui extérieur avec entourage président Jovenel Moïse qui fait c'est même moun ça qui dans pouvoir qui était dans pouvoir avec c'est même moun ça qui participe dans l'assassinat qui prend pouvoir jodi a cap diriger donc c'est qui intérêt au gain réellement pour pacifier pays pour mettre sécurité en dedans pays donc information ça m'était trouvé extrêmement important pour me partager là avec vous m'était trouvé extrêmement utile pour me faire mise au point ça sous lit parce que tôt ou tard si c'est pour une intervention troupe etc Haïti sera toujours prêt parce que nous arrivons dans l'extrême là où au lieu pour nous bon répit avec gang, c'est vrai que PNH a travaillé, c'est vrai que PNH a mobilisé, mais où est gang yo multiplié? Tout petit coin jodi an là, c'est gang, c'est bandit. Pendant PNH avec Meg Moyel gen, avec Tissal gen, l'a essayé repousser bandit, l'a essayé repousser délinquant. C'est même nèg sa qui nan pouvoir, c'est même nèg sa qui au commande, k'ap détourné Timmy ti cal ti grave d'aille matériel PNH gagne le font commande on 50 on 100 manches c'est même yo même qu'a vendre avec gang avec bandi donc je dis peuple haïtien piégé PNH piégé policier yo piégé pas qui est encore pas même autorité yo pas même moun sa yo qui au commande de l'état qui a prend décision donc là ou gen tout donné yo nan mon ou gen jan pouye par rapport avec information sa yo ou gen jan pouye tout par rapport avec autorité sa yo nou pa ka nan grand dan avec nèg nou pa ka nan grand dan avec nèg et moi ouais et nan communauté diaspora là gen décision qui prend depuis semaine dernière côté que yo mandé pour yo déclarer ancien président Michel Martelly persona non grata bon dou c'est pas premier festival non yo déclarer Martelly persona non grata. Au Canada, je te dis, je te décide pour déclarer Martelly persona non grata par rapport avec le festival qui t'a fait. Martelly a le festival là, c'est à l'époque qu'il vient avec chanter au Parc Baril là. Pour le montrer, il défier autorité, il bon pas autorité, non disons, il défier communauté haïtienne qui vit dans la diaspora parce que lui-même il senti il gagne plus pouvoir passer mon yo. Bah, nèg yo pas prend haïtien bon hein. Nèg yo pas prend voix nous pour rien. Parce que oui, yo estime yo puissant et yo gen bras derrière bon yo tout bon. Donc là, si nous gon moun pièce pour nous bay nèg yo, c'est à travers les urnes. Si nous gon moun pièce pour nous bay nèg yo, c'est assurer nous que moun y a mette moun y a contrôlé moun yo ka gen contrôle yo pour pas quitter moun sa yo vin dans tête l'état, vin occuper fonction dans tête pays. C'est ça seulement nous ka faire. C'est ça seulement nous ka faire. Bon, m'a rappeler nous projet fête des Merlan parce que là il faut moi y aller. Projet fête des Merlan 29 mai qui va venir là sans femme sans maman nous pral faire cœur content. C'est pas seulement Yannick qui pral faire cœur content, c'est nous-mêmes qui pral faire cœur content parce que c'est avec support, c'est avec contribution pour nous arriver faire activité ça possible.
avec seulement $25 US ou bien 2500 goud, on nous rive supporter en maman. Ou ka supporter autant de maman que vous voulez, supporter 5, supporter 10, autant de monde que vous voulez aider en affaire. Quand pour que ça en affaire, m'a toujours rappelé ça. Nous pas faire parce que nous faire pour nous satisfaire Yannick parce que Yannick mandé nous ça. Nous faire parce que nous dans qui condition mon a vivre en Haïti. Nous faisons parce que moun sa yo ki nan zone reculée, ki nan section communale yo, moun sa yo ke autorité l'état yo, yo préféré prendre l'argent pays, préféré prendre $1.50 diaspora, bay nèg, bay bandi pour acheter zam, bay bandi pour prendre contrôle territoire pour yo, etc. Mais nous même nous pas ka quitter tout moun a souffri. Nous pas ka quitter tout moun nan besoin. Petit coulier ça nous ka fait en affaire li parce que c'est son mission nous gagne, son mission nous gagne, non seulement pour nous faire voir nous passer, mais pour nous aider ça qui est plus faible. Et me toujours dit nous ça, nous chaque grand monde qui répond présent avec initiative ça, chaque grand monde qui répond, y a supporté projet, un grand merci, chapeau bas pour nous. Contribution nous pas un prix, contribution nous, nous connais nous faire avec tout cœur, nous faire avec tout nous-mêmes. Parce que aider un monde n'est pas un prix. Faut monde sourire pas un prix. Faut moun souri pa gen pri. Donc numéro a pas changé, c'est 38 96 38 19. Rele Yannick, écris un message pour dire comment participer avec projet, comment contribuer. Et merci tout le monde, à la prochaine. Merci Yannick, bienvenue dans l'espace international là. Moi c'est Mackin Love Grand Intérêt, moi content pour parler avec nous pour nous capable présenter l'actualité qui a dominé scène internationale. Pendant dernier moment ça yo, guerre en Ukraine lui-même toujours été occuper place première sur scène internationale là par rapport à information plusieurs controverses qui gagnent dans question hein. C'est ça qui vient rendre que sujet ça a lui-même li préoccupé en pile monde. C'est vrai qu'il y a un pile l'autre bagaille qui a passé, mais toutefois nous connaît et là aussi lui-même l'été lancé jeudi 24 février qui était passé à yon opération militaire que li relé et Occident eux-mêmes yon parlé de invasion et de l'Ukraine et deux jours après que eux-mêmes yon te reconnaître indépendance territoire séparatiste qui gagne en Ukraine qui c'est dans région Donbass. Donc président russe lui-même Vladimir Poutine l'été bail signal avec hostilité au côté que président ukrainien Volodymyr Zelensky le même l'été exhorté européen pour capable agir pour permettre que eux-mêmes capable garder comme au café face ensemble avec la Russie qui vient pour capable détruire craser toute base militaire craser tout ça qui existait globalement en Ukraine selon déclaration Volodymyr Zelensky. Donc gagné et plusieurs décisions qui prend pendant dernier jour ça et côté que principalement gagné un président turc là lui-même qui c'est Recep Tayyip Erdogan lui-même qui réagit suite à question demande d'adhésion Finlande et la Suède a fait pour les capables de rejoindre l'OTAN. Côté que président lui-même les qualifié décision ça comme on niche terroriste parce que il dit pays ça yo tant que Suède ensemble avec Finlande yo même yo c'est des pays côté qui héberger terroriste la caillou la parler spécialement de PKK qui c'est un groupe terroriste ensemble avec YPG côté que il parlait de parti travailleur Kurdistan qui c'est PKK et allié les qui Kurdistan iranien irakien et de l'IPG yo même yo c'est des groupes terroristes actifs qui gagnent dans région moi et la Turquie lui-même lui dit que bagaille ça pas de fait et yo pas de accepter que la Suède ensemble avec Finlande pour capable rejoindre OTAN parce que lui-même yo préoccupé vraiment par sécurité par d'abord l'en considérer que la Turquie lui-même lui fait partie de pays qui a lutté en pile face à phénomène terroriste dans région hein sans pas oublier parler de Kurdistan qui c'est un territoire qui formait en partie de la Turquie en partie de l'Irak et la Syrie qui viennent former et zone territoire ça à côté Kurdieu même il y a bataille depuis pas mal de temps pour même capable prendre indépendance que me songer que nous t'ai parlé déjà dans l'autre vidéo qui t'est passé.
Outre que ça a gagné l'autre décision qui prend côté que Vladimir Poutine, même Jacques te dit dernièrement, nous te dit ça, là que l'Europe, l'Union européenne, yo même yo te prend décision pour être capable de déclarer persona non grata avec des personnalités ou des diplomates russes. Et là Russie lui-même li vini, li expulse 34 diplomates français et qui symbolisait globalement yon impasse côté que dialogue là lui-même entre Poutine et Macron et relation qui gagne entre la France et la Russie et yo même yo vini non situation qui est vraiment difficile parce que ça a prouvé clairement c'est rejet de négociation c'est affront qui a gagné qui capable gagner vraiment et puis red sur terrain hein, et surtout l'en considérer riposte que lui-même et Moscou lui-même l'était gagné après expulsion plusieurs dizaines de diplomates pali dans mois qui sont passés au côté que lui-même l'était venu faire des interventions et avec des combats à rage dans la région Donbass. Donc et réplique là lui-même il t'a pas attendre, il y a un peu le monde qui t'a pas attendre ça automatiquement mais sûrement que la Russie lui-même il t'a envisagé des stratégies. C'est vrai que occidentaux eux-mêmes ils parlé de problèmes qui peut-être que diplomatie russe lui-même il t'a fait face ensemble avec lui par rapport à une question de surménage qui permet que yo gagne trop activité, trop préoccupation qui fait au pas réagir à temps mais bon côté pas Moscou, c'est peut-être des stratégies que t'a mettre en place pour capable connait qui gens yo pral gagne pour capable attaquer. Donc Moscou lui-même il a annoncé expulsion de plusieurs dizaines de diplomates européens qui en poste en Russie et surtout par rapport à mes dernières décisions qui ont été prises contre lui-même moi qui t'ai passé et en ça avec expulsion des diplomates russes surtout pour parler de il était parlé de questions qui lient ensemble avec espionnage pour eux-mêmes. Et après convocation que plusieurs diplomates eux-mêmes ont été joints par le ministère des Affaires étrangères à Moscou, ambassadeurs français, espagnols et italiens, eux-mêmes ils ont expulsé eux, il y a 34 pour la France, il y a 27 pour l'Espagne, il y a 24 pour l'Italie. Donc c'est vrai chiffre ça paraît très minime par rapport à l'expulsion qui a été fait pour la Russie dans mois qui était passé yo. Mais ça a montré clairement que volonté et Vladimir Poutine gagnait dans bataille qu'il a mené en Ukraine. Donc question à lui-même lui toujours été à poser, est-ce que vraiment nous trouvons nous dans impasse côté que hostilité à lui-même c'est peut-être souterrain qui pral gain pour capable bailler réponse ça avec ça qu'il a. C'est son stratégie tout pour capable demander et occident ou bien européen pour capable venir renégocier venir ensemble avec l'autre formule de discussion. Nous pas qu'on connaît mais toute cette celle ça nous sûr c'est que conflit qui déclaré là et tant ça par rapport à action qui a passé là haut tant ça lui-même il pas temps pour que dialogue lui-même il possible encore parce que là le rejet de la diplomatie au détriment de la guerre ça veut dire exactement ça veut dire c'est moun qui gen plus âme nan moun qui gen plus force c'est les mêmes qui pral gagner pour capable mettre en application qui pral gagner pour capable remporter la mayole là ça veut dire diplomatie à les mêmes dans tout pays li marché ensemble avec l'armée donc dans moment où diplomatie a échoué c'est l'armée qui pral mettre en application surtout l'en considérer stratégie que la Russie même li a utilisé depuis pas mal de temps dans moment où li senti gen faiblesse li mandé soit on cesser le feu en négociation le temps pour permettre que lui-même les capable réactiver troupes liyo et l'en sans pas oublier que l'Occident porté yon aide énorme ensemble avec l'Ukraine pour capable résister face à et la Russie d'ailleurs nous connaît toute qualité de mesures que l'Occident lui-même il prend non seulement il voit cob ba Ukraine pour lui-même capable faire face ça avec crise économique pour capable jeune ravitaillement pour acheter munitions ça avec armes etc. Il porter assistance militaire pour lui tout il porter technique assistance technique globale pour l'Ukraine capable camper et résister faire face à la Russie et la Russie lui-même bon côté parler li comme son bataille que lui-même il t'a préparé depuis pas mal de temps continuer utiliser stratégie mais décision ça qui fait là et c'est peut-être c'est une décision qui capable tirer espoir qui t'es qu'à gagner pour capable sortir de crise qui gagne par la négociation dans mois ça
Mais toutefois, l'en considéré force diplomatie à les mêmes liens et diplomatie à tout li pa et pas comme si yon bagay qui getan planifié pour getan konn mais qui résultat que ap joine automatiquement. Mais c'est après négociation nous pral konnen ki sa gen. Nous songe dernière fois yo te entamé processus négociation côté que la Russie te dit de négociation te commencé bien et l'Ukraine bon côté pas été satisfait de pourparlers qui était commencé gagner et puis tout de suite après la Russie lui-même lui pral vinn réagir autrement donc ça prouve clairement que bagay yo pas toujours clair dans les négociations pour qu'on qui soit pral joindre et surtout pas trop facile pour courir faire confiance ensemble avec adversaire là même si que nous connaît toujours gagner des résultats que nous avons gagné après en négociation qui c'est gagnant-gagnant ou bien gagnant-perdant ou bien perdant-perdant. Donc, dans le cas ça, nous pas qu'à vraiment évaluer les négociations qui te gagné ou comment ça y est, mais celle ça qui prouve, c'est que souterrain, pour question, yo tap négocié, il a toujours été là, toujours gagné bataille, toujours gagné monde qui a mouru, toujours gagné bombe qui a tiré. Et donc nous peut vraiment pour que nous pas tomber non conflit généralisé même gens que nous t'ai dit hier même gens que nous t'ai dit dans plusieurs autres vidéos qui passaient c'est que pral retriver non période côté que seul choix c'est la négociation c'est la diplomatie qui pral gagner pour capable boter donc nous espérons vraiment à partir de période ça qui a venir là pral capable gagner un couloir côté que un consensus qui pral déclencher pour nous garder comment nous ca sortir ensemble avec yon résolution dans question ça parce que li a impacté tout le monde là ça qui a fait actuellement là donc nous t'es content là ensemble avec nous il les nous tande nouvelle ça yo expulsion diplomate donc c'est ça veut dire clairement ça veut dire et c'est ça porter en pile tristesse ou bien inquiétude bon côté en pile monde parce que qu'on est pour capable finir ensemble avec guerre ça qui gagne là faut que moun deux parties chita sur même table pour négocier pour capable soutenir ça avec une solution et puis pour dire voilà nous finir ensemble avec question ça donc nous connaît orgueil l'homme lui-même toujours à fouetter peut-être que c'est ça qui continuer dans région là et puis intérêt tout parce que gan pile comme dans ça qui a fait là nous apprétendre pour nous garder qui côté ça va mener nous merci parce que nous t'ai accepté tendez c'était Marquin le vouloir insérer là avec nous on va nous rendez-vous une autre fois pour une autre rubrique bye bye mes amis tendez ça ou c'est haïtien ou rien mes pays et puis on agit mon éditorial. Entre désespoir, de machination politique et l'énoncé, mon éditorial nous dit tout. Mon éditorial. Émission mon éditorial, si je passe analyse, débat contradictoire sur tout détail sociopolitique qui domine le pays d'Haïti. Mon éditorial. Sauf si le dit pour y faire vendredi, depuis fait 2 heures, monsieur Chanel Paola, pour qu'à bien informé avec Yannick. Mon éditorial. Nous bras la balle et pays, nous bras le fait débat.